Further trekking, I would say, yeah, good with Ekin and Prakash, and nice to discover Nepali customs, I would say, and then also some liberty to just walk as we went, and they chose the lodge. It was great welcoming, I would say, so it helps us to be in good shape to do the summit then. Yeah, it was a very welcoming, the cook, very good food, enough food, and yeah, lovely atmosphere, I would say. Ouais, bah, alors, Nepal, c'était une super expérience, une belle découverte culturelle, super montagne, et on reviendra sûrement. Your service was good, the trek was very good, with good guide, with good Sherpa, yak, was very fast, and it let us go to the Kalapatar summit. Was good. The guide was me, for me, don't guide, but the other member, Christian, had a good guy who go really slow for him. And he tried to go to summit, but he was really tired, but the guide was really good and take care of Christian. Good food, enough food every time. Service was good, fast. And he let us go to the summit, so it was good. Beautiful, beautiful view of every mountain around. And a little bit tired, but it's okay. Cold. Everything was okay because before I coming to Nepal, I searched about the many company and many guides. I choose the right company, and this trip, it was very good experience for me. And I had a expert guide, and the food was really good and suitable, especially in the base camp and in the lodge also. Iceland pick the base camp not as like Dablam is big, but it was comfortable also, and the food also good, and the cook is a very good man, and extra if I need something you could help me also. Very nice, a little bit cold on the top, we find a lot of wind, but it's a really nice summit and a technical summit. Monterosa service was very good, they answer all the time at our call, and also for resolve our problems, so it's a good experience with Monterosa. Everybody have to come one time in Nepal with Monterosa. Bonjour, je m'appelle Claude Abattu, avec mon ami François Felgine, on a décidé de monter une expé sur la Dablam. Donc on a recruté quelques jeunes qui étaient très motivés pour ça, et d'autres un peu moins jeunes, mais qui étaient aussi très motivés. Et nous en sommes passés par l'agence Monterosa Treks, qui se situe au Népal, qui nous a monté boucler l'affaire. Et on est parti faire un superbe trek dans la vallée du Kumbu jusqu'au camp de base de l'Everest. Au passage, on a fait le Kalapatar, un 5500 et quelques mètres, qui nous a permis une acclimatation tout en douceur. En redescendant, nous avons tenté le Lobuche, que nous avons réussi. Il n'y a que notre ami Christian, qui était un peu moins affûté, on va dire, que nous, qui n'a pas pu sortir le sommet, qui a abandonné pas très loin, c'est dommage. Et de là, nous sommes partis donc sur le camp de base de la Dablam. Nous avons rencontré pas mal de monde. Avec une météo favorable, ça nous a permis de faire le sommet dans des conditions très bonnes. La montagne était en super condition, les hommes aussi. Et nous avons pu le sortir avec 10 jours d'avance par rapport au planning d'ascension qu'on avait prévu. C'est une montagne très exigeante, avec quand même pas mal de passages techniques en altitude, avec des sacs lourds, puisque nous en avons fait une moitié en style himalayen, on va dire, avec un camp de base au camp 1, et après nous sommes partis en style alpin, c'est-à-dire que du camp 1, nous sommes partis au camp 3 directement. Nous avons dormi une nuit très ventée, et au petit matin, les jeunes nous ont poussé à partir un peu plus tôt que ce qu'on voulait, et nous avons tenté et réussi le sommet, tous les quatre. Laurent, qui était souffrant, a abandonné 200 mètres sous le sommet aussi. La descente a été éprouvante parce qu'on était fatigué. Surtout pas de conneries, toujours pas de conneries.
Et de là, comme on avait pas mal de temps libre, on a passé 3 ou 4 jours pour nous refaire sur Katmandou, où on a testé divers restaurants sur les conseils éclairés de certaines personnes du groupe. Et on est parti sur un trek éclair sur le camp de base des Annapurna, que nous avons bouclé en 4 jours au lieu de 8 ou 9. Donc ça a été un peu la marche forcée, mais avec des paysages tellement beaux qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu le temps passer. C'était magnifique. Le retour, on a goûté aux transports en commun locaux. Et on est revenu donc à notre base qui se situe ici, où nous avons retrouvé nos petites habitudes. Et où Ganesh nous a menés au restaurant hier soir pour fêter la fin de l'expédition. Voilà, c'était super. Le Népal nous a accueillis comme il sait le faire à chaque fois, c'est-à-dire très bien. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de gentillesse. Et je pense qu'on reviendra. Voilà.